Le rhinocéros est le plus grand mammifère terrestre derrière l'éléphant. Il existe encore 5 espèces de rhinocéros. 2 d'entre elles se trouvent en Afrique, le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. Et 3 vivent en Asie, le rhinocéros unicorne d'Inde, le rhinocéros de la Sonde et le rhinocéros de Sumatra. Les 2 plus grandes espèces sont le rhinocéros blanc d'Afrique et le rhinocéros unicorne d'Asie. Ainsi, un rhinocéros blanc peut atteindre les 2 mètres de hauteur pour 4 mètres de longueur et 2300 kg. À l'inverse, le rhinocéros de Sumatra, qui est le plus petit, atteint au maximum 1,45 mètres de hauteur pour 2,5 mètres de longueur et environ 800 kg. Les rhinocéros forment une famille de mammifères ongulés. Ils sont de grande taille, ont la peau épaisse et rugueuse, et portent une ou 2 cornes sur le nez en fonction de l'espèce. La corne de rhinocéros est composée de kératine, une protéine que l'on retrouve aussi dans les ongles et les cheveux. Malheureusement, cet appendice qui devait lui servir à se défendre est en train de causer sa perte. La corne est en effet très recherchée en Asie, notamment en médecine traditionnelle pour ses supposées vertus thérapeutiques. Vendue entière ou en poudre, elle rapporte très gros aux trafiquants. Ainsi, une corne se vendrait dizaines de milliers d'euros le kilo sur le marché noir, soit bien plus que le prix de l'or. Jusqu'au milieu du 19e siècle, les rhinocéros étaient largement répandus dans les savanes d'Afrique et les forêts tropicales d'Asie. Aujourd'hui, 4 des 5 espèces de rhinocéros sont vulnérables ou en danger critique d'extinction. Leurs cornes, désormais plus prisées que l'or ou la cocaïne, sont leur malédiction. Dans certaines cultures de l'Asie orientale, les rhinocéros sont tués uniquement pour leurs cornes car elles sont utilisées pour faire des sculptures, des coupes libatoires notamment. Les supposés effets thérapeutiques et aphrodisiaques attribués à la corne broyée et la mode des poignards en corne de rhinocéros dans les classes supérieures du Yémen. Les rhinocéros ont un corps massif et des jambes grosses et courtes. Leurs pattes ressemblent à celles du tapir, mais chaque pied à 3 doigts se terminant chacun par un gros ongle comme 3 sabots miniatures, d'où l'empreinte caractéristique en feuille de trèfle. La peau est épaisse et de couleur grise ou brune. La peau du rhinocéros est douce près de sa bouche. Chez les espèces asiatiques, la peau au début du cou et des jambes est si plissée qu'elle donne l'impression d'un blindage. Les rhinocéros ont une faible capacité visuelle, mais un odorat développé et une très bonne audition. Leur très mauvaise vue semble liée à des mutations du gène, qui code une protéine impliquée dans le transport d'autres protéines le long des flagelles et des cils cellulaires. La protéine mutée serait moins efficace pour faire se rejoindre le rétinal et les opsines. Malgré leur apparence, les rhinocéros sont dotés d'une musculature impressionnante qui leur permet de courir très vite si nécessaire, mais sur une courte distance, jusqu'à 50 km par heure pour les plus rapides. Très agiles, ils peuvent aussi faire volte-face en pleine course. Les mâles ne possèdent pas de scrotum, les testicules se trouvent à l'intérieur du corps. Les rhinocéros vivent normalement en solitaire, mais, dans la savane, on peut parfois voir de petits troupeaux. Leur communication est essentiellement olfactive.
La peau épaisse sert de carapace lors des combats qui s'établissent pour la dominance. La peau des rhinocéros indiens formée de plaques a de grands plis richement vascularisés qui augmentent la surface d'échange et favorisent la régulation thermique transférant la chaleur aux plaques de peau les plus larges qui agissent comme des refroidisseurs. Ces animaux évitent les hommes et chargent lorsqu'ils se sentent menacés, essentiellement pour protéger les jeunes rhinocéros. Très rares, ces attaques peuvent parfois occasionner de graves blessures en raison de la puissance de l'animal et du danger que représentent leurs cornes. Des rhinocéros sont souvent accompagnés par des oiseaux pique-bœuf ou ménates qui se perchent sur leur peau et les nettoient des parasites ou hérons garde-bœuf qui chassent les insectes dérangés au sol par le passage de l'animal. Dans des cas assez rares, les jeunes rhinocéros peuvent être une proie d'opportunité pour de grands félins comme le lion. En revanche, les rhinocéros adultes n'ont aucun ennemi si ce n'est l'homme. Le comportement sexuel de ces animaux les a beaucoup desservis. En effet, contrairement à un grand nombre d'espèces, l'accouplement peut durer plus d'une demi-heure chez le rhinocéros. C'est sans doute pourquoi certains attribuent, sans fondement, des effets thérapeutiques et aphrodisiaques à la corne de rhinocéros broyée, alors que celle-ci est constituée essentiellement de kératine, une substance banale retrouvée dans les ongles, les cheveux et les sabots. Le rhinocéros, en tant qu'herbivore, est un animal se nourrissant de feuilles, d'herbes ainsi que de plantes et de fruits. Peu importe le sexe, les rhinocéros sont polygames et polyandres, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre avec plusieurs partenaires. Pour pouvoir s'accoupler, les mâles peuvent aller jusqu'à se battre. Ensuite, avant de procéder à l'accouplement proprement dit, les partenaires se pourchassent et réitèrent un combat pour pouvoir mettre bas un petit rhinocéros. La femelle entreprend une période de gestation de 15 à 18 mois. Le petit et la mère sont inséparables durant 2 ans. Si le rhinocéros blanc n'est pas menacé, le rhinocéros noir est en danger d'extinction. Quant au rhinocéros unicorne de l'Inde, il est considéré comme vulnérable. Les rhinos sont actuellement en phase de réintroduction dans différentes parties du monde. Le rhinocéros n'a que très peu de prédateurs. Sa principale menace est le braconnage, avec de nombreux animaux abattus chaque année. À cela s'ajoute la perte de son habitat au profit de terres agricoles. Selon le WWF, il resterait ainsi pour chaque espèce. Le rhinocéros peut vivre de 35 à 50 ans selon son espèce. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.